Bonjour et hop, voici la nouvelle vidéo, suivez la flèche rouge. On a retrouvé la croix de Jésus sur une plage. En février 2019, une croix de grande taille apparaît sur une plage de Floride. Cette croix est recouverte de coquillages, d'algues et d'autres espèces marines. Beaucoup considèrent que c'est un signe de Dieu. Des centaines de personnes sont venues la voir. Vous le savez. La situation n'est pas terrible. Mais si vous prenez Marie comme mère ou Jésus comme père, vous n'avez rien à craindre de l'avenir. Peut-être que vous ne priez plus depuis longtemps. Peut-être que vous avez laissé tomber la religion. Peut-être que vous avez fait des péchés importants. Peut-être vous êtes divorcé. Peut-être vous avez avorté. Peu importe. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez compris qu'on va droit dans le mur. Aujourd'hui, on a besoin de Dieu. Aujourd'hui, il faut revenir à une éducation catholique. Cette religion douce et calme, bien sûr que par le passé, il y a eu des guerres et des conflits. Mais maintenant, la religion catholique est calme et pacifique. Elle nous donne aussi un chemin, le chemin de Jésus. On a besoin que nos jeunes retrouvent le calme et l'obéissance. Qu'ils comprennent que plus il y aura la paix dans leur cœur et dans le monde, plus les gens seront heureux. Pour l'instant, la population a énormément de choses matérielles. Voitures, ordinateurs, téléphones, jeux, vidéos, télévisions, frigos. Et pourtant, il nous manque quelque chose. Il nous manque l'amour. L'amour d'une mère, l'amour d'un père, l'amour d'une famille. Oui, la famille. Car vous le savez, Satan veut détruire les familles. Car quand vous avez des problèmes, votre famille peut vous aider grâce aux liens de sang, à la complicité avec vos frères et sœurs et au lien uni par Dieu, le mariage. Bien sûr, toutes les vraies familles ne sont pas unies. Mais dans la majorité des cas, on retrouve une aide, au moins celle de votre mère. Et si votre mère n'est pas à la hauteur, il y a la mère du ciel, Marie, que vous pouvez aimer et prier. Il y a aussi un père, Dieu, à qui vous pouvez parler et raconter tous vos problèmes. Marie nous a demandé de faire de puissantes prières d'une à deux secondes pour des personnes inconnues dans la rue. On peut aussi consacrer des enfants ou des bébés que l'on croise dans la rue à Dieu, sans les connaître. Moi, j'adore cette idée de faire des prières à des inconnus. D'imaginer la tête de la personne qui, une fois arrivée au ciel, va s'apercevoir que sa vie a changé et c'est devenu merveilleux simplement parce qu'elle avait une écharpe verte ou un pull bleu. Oui, en effet. J'ai prié pour des personnes simplement parce qu'elles avaient un bonnet rouge ou une veste jaune. Je trouve ça génial. Pour les bébés croisés dans la rue, des satanistes nous ont raconté qu'ils consacraient des enfants dans la rue à Satan. Et comme ces enfants ne sont pas baptisés ou qu'ils n'ont pas été consacrés à Jésus ou à Marie, ils ne sont pas protégés. Et tous ces enfants qui croient laisser la liberté religieuse à leurs enfants, en fin de compte, ils les poussent vers Satan. Marie nous signale aussi qu'elle trouve très beau et qu'elle aime ces personnes qui s'endorment en priant. Car pendant toute la nuit, on suppose que la personne va rêver de prière et de Dieu. Et la personne, au matin, se réveille en priant. Moi, j'ai essayé, c'est pas facile, mais je crois que c'est en faisant cette prière que j'ai reçu la plus grande grâce de ma vie. Je ne vous en dis pas plus, c'est un secret. Parfois, il m'arrive d'être fatigué pendant la prière. C'est-à-dire que je passe mon temps à bâiller et je sens que la prière ne va pas être terrible. Alors j'ai une petite astuce. Je chante une chanson de mon enfance, par exemple des chansons des dessins animés, avec des vraies paroles. Oui, parce que je vous ai déjà expliqué que quelquefois pour avoir des prières joyeuses, je change les paroles pour mettre des paroles de prière. Par exemple, « Prie Marie pour m'aider à prier ». Donc je chante ces chansons de dessins animés pendant 2 à 3 minutes, le temps de me redynamiser, puis je reprends la prière. Vous aimez mes vidéos, alors vous aussi commencez à prier, commencez à apprendre à prier. Puis, quand vous êtes prêt, expliquez aux autres votre chemin.
expliquer ce que vous avez appris et enfin rediriger les gens vers Medjugorje. Les moins de 12 ans et Dieu. On peut éduquer un enfant qui a moins de 12 ans, par exemple. S'il voit que Dieu est important dans votre vie et que vous êtes quelqu'un de bien, il aura envie d'être comme vous. Il ne faut pas aller à la messe et puis après, pendant toute la semaine, ne plus parler de Dieu. Vous devez montrer que Dieu est à la première place dans votre vie et que vous vous mettez à genoux devant la croix. Après 12 ans, il ne faut pas forcer, il faut juste prier et jeûner. Marie nous demande de faire des œuvres pour Dieu. Au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai d'abord eu des critiques essentiellement de protestants. Ce qui est choquant car on a quasiment la même religion. Puis il y a eu les musulmans, avec une volonté de ramener la religion catholique à l'islam. C'est-à-dire de prendre tous les éléments de la religion catholique en disant que l'islam en parle et finalement de citer la parole d'Allah. Le tout en disant que les religions sont pareilles. Ce qui est faux, chez les catholiques, Dieu pardonne. Dieu est dans chaque église, il y a de nombreux statues dans les églises et aucune chez les protestants et musulmans. L'église catholique ne fait pas la guerre aux autres religions et au contraire, elle les accueille. Et comme tous les pays, toutes les religions, tous les catholiques ont un passé douloureux. Puis, certains catholiques voulaient que je suive l'église en proposant des miracles validés par l'église. D'autres voulaient que je vérifie tous les miracles en allant sur place. Je devais aussi évangéliser, comme nos anciens, avec des livres, témoignages et conférences. Peut-être que finalement le plus gros défi, c'était moi-même. Qui je suis pour expliquer ce que Marie dit? Qui je suis pour expliquer la Bible aux autres? Qui je suis pour donner des leçons, des explications, des exemples aux autres? Par moments, je parle trop de moi. Par moments, je donne mon explication personnelle. Je suis dans la vérité? Finalement, je l'ai fait en sacrifice pour Marie. Si je vous raconte tout ça, c'est pour ceux qui hésiteraient encore à faire des œuvres. Faites-le en sacrifice pour Marie, car elle nous donne sa force et surtout, ayez confiance en elle. Église Sainte-Croix, en Jarret. Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à la prière comme jamais auparavant. Que votre prière soit prière pour la paix. Satan est puissant et il veut détruire non seulement la vie humaine, mais aussi la nature et la planète sur laquelle vous vivez. Ainsi, chers enfants, priez pour être protégés par la bénédiction divine de paix. Dieu m'a envoyé parmi vous pour vous aider. Si vous le voulez, bien, emparez-vous du rosaire. Un simple rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies. Je vous bénis et je reste avec vous tant que Dieu le veut. Merci de ne pas trahir ma présence ici. Merci car votre réponse sert le bien et la paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Chers enfants, aujourd'hui je vous demande de vous décider pour Dieu. Car l'inquiétude de vos cœurs produit comme fruit l'éloignement de Dieu. Dieu est la paix même, c'est pourquoi approchez-vous de lui par la prière personnelle. Ensuite, vivez la paix dans vos cœurs. De cette façon, la paix de votre cœur coulera comme un fleuve sur le monde entier. Ne parlez pas de la paix, mais faites la paix. Je bénis chacun d'entre vous et chacune de vos bonnes décisions. Merci d'avoir répondu à mon appel. Message de 1991 à Medjugorje. Fermez les yeux et répétez après moi. Prie, Marie.
pour nous aider à avoir confiance en toi. Et prie aussi pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Cette vidéo est vraiment super géniale. Enfin, oui, elle est bien. Alors si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit A. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.